Bonjour, alors ce n'est pas sans une certaine émotion que je vous fais cette vidéo. Je vais essayer de faire une séquence qui me permettra de renvoyer à ce que vous voyez là maintenant pour les vidéos prochaines, pour éviter que les gens se posent des questions. Déjà pour vous donner quelques nouvelles. Alors certains l'auront peut-être noté, j'ai déménagé. En tout cas, quand je fais cette vidéo, c'est en cours. Et ça prend du temps. Ça me demande beaucoup d'énergie. Heureusement, j'ai eu beaucoup d'aide aussi. Donc ça, c'est cool. Remerciements d'ailleurs à Maddox, à Doikim, à Stéphane et quelques autres. Donc voilà, soyez rassurés, rien de grave. Concernant le fait que ces dernières semaines, je n'ai rien posté sur la chaîne. Par contre, je vais me rattraper parce que d'une part, mon matériel informatique est de nouveau rebranché. Et en plus de ça, la super bonne nouvelle, c'est que j'ai de nouveau Internet et en plus de ça, j'ai la fibre. Donc je vais pouvoir apprécier la vitesse de connexion de la fibre, dont beaucoup de gens me parlent, donc on verra ce que ça donne. De plus, j'avais commencé à tourner pas mal de séquences qu'il va me falloir compléter. Et je peux vous annoncer déjà le programme. Alors déjà, le mois dernier, en février, je suis passé à Paris et j'ai vu l'ami Toy Kitsch, coucou Toy Kitsch. Il m'a fait de beaux cadeaux. Donc voilà, vous allez avoir droit à une vidéo représentant les cadeaux en question. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que ce voyage à Paris constituait justement un voyage assez particulier qui devrait me faire passer sur Game One dans les mois à venir, en fait d'ici la rentrée prochaine, certainement en octobre. Donc surveillez les programmes et surveillez Game One. Voilà, et d'autre part, j'ai reçu des choses, notamment pour Warhammer 40 000 Imperium. J'ai un Zoïde à vous présenter, j'ai des maquettes Gundam à vous présenter, j'ai des avions qui sortent un petit peu de l'ordinaire à vous présenter, j'ai des figurines Tintin que j'ai retrouvées du coup grâce au déménagement à vous présenter, j'ai un projet un peu fou concernant une montre horloge qui sinon est un peu ignoble. Vous allez voir ça. Je vais tenter aussi de vous montrer ce que je vais faire avec la maquette du Razor Crest du Mandalorien. Voilà, enfin il y a plein de choses qui sont sur le feu. Et dont certaines où il ne manque pas grand-chose en fait en termes de montage pour vous les présenter. Donc ne soyez pas étonnés, il y a des choses qui seront présentées, j'allais dire à l'ancienne, sur mon ancien lieu de tournage, et puis d'autres vidéos qui concerneront donc des sujets peut-être un petit peu plus récents et qui sont frais sur le nouveau lieu de tournage. Voilà, donc il y aura aussi un bon plan, il y aura des présentations de trucs Star Wars, enfin bon, voilà. Donc voilà, soyez rassurés, j'allais dire tout va bien. C'est lent, mais ça avance quand même. Et donc, je serai ravi de vous retrouver ces jours prochains. Voilà, donc, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit programme dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur PayPal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour tout un tas de jolies vidéos.